Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV Fait sa culture cette semaine. Deux thématiques, tout d'abord avec le TAG, la troupe artistique de Gimel, et puis on s'intéressera au documentaire Volontaire. Le TAG donc fête ses 20 ans, l'occasion de faire la fête en plateau avec nos deux invités. Pour l'occasion, la troupe artistique de Gimel propose une rétrospective de 20 ans de spectacle à voir les 1er et 2 novembre à la grande salle de Gimel. On en parle avec nos deux invités, Jean-François Robella, directeur artistique du TAG, à vos côtés Manon de Lettra, membre du TAG. Bienvenue à vous deux, père et fille. C'est une belle histoire, on va en parler justement. Merci d'être avec nous. Donc le TAG, comment est-ce que tout commence, Jean-François? Alors en fait, ça commence en 1989, quand j'ai débarqué à Gimel. Moi, je suis lausannois et puis j'ai dû venir enseigner à Gimel. Évidemment, on est venu me chercher pour diriger le chœur mixte. Donc j'ai repris en 1989 le chœur mixte. Et puis, j'avais un peu l'idée de le faire évoluer pour faire venir des jeunes, etc. Et il a fallu 10 ans pour créer le TAG, pour que le chœur mixte devienne la troupe artistique. Pourquoi avoir changé, justement, passer de ce chœur mixte à finalement le TAG avec du spectacle, des comédies musicales? Justement pour changer le style et pour qu'il y ait plus de jeunes qui viennent chanter. Et puis parce que j'aime bien, justement, quand ça bouge, quand ça danse, quand on raconte une histoire. Manon, donc on comprend pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la troupe, outre le fait de voir finalement votre père qui était aux commandes de la troupe? Alors, je suis née dedans, ça c'est sûr, hein, en 89, mon année de naissance, donc je suis née un petit peu dans les spectacles, juste après. C'est de voir toute cette émotion, les gens le plaisir que les gens prennent sur scène. Et puis maintenant, un petit peu un deuxième volet, vu que j'écris avec mon papa, c'est ce côté création, de voir ce qu'on a écrit, chanté et joué par d'autres gens. C'est vraiment c'est un plaisir de voir les gens qui s'éclatent sur scène. Surtout, on est tous des amateurs et c'est vraiment juste pour le plaisir, même si on passe beaucoup d'heures, de voir un résultat comme on peut faire, c'est très gratifiant. Ouais, et on verra des images tout à l'heure, vous le verrez, c'est assez impressionnant. Il parle d'amateurisme, mais finalement on a du mal à le croire quelquefois. Le TAG, quel est son objectif, Jean-François? Son objectif, de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. C'est ça. Et c'est aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de projet. En fait, on part avec une équipe et on construit tous ensemble un projet. Et puis, il faut de la solidarité, il faut beaucoup d'heures de répétition pour arriver à une création, à quelque chose qui à présenter au public. Comment vous arrivez à convaincre finalement les jeunes de vous rejoindre, de les mettre sur scène? Bon, j'imagine qu'il y a une volonté, une passion du côté de ces jeunes, mais finalement c'est aussi une prise de risque pour eux. Donc comment ça se crée, cet univers? Bon, alors j'ai la chance, comme je suis enseignant, de pouvoir faire le lien avec les jeunes. Du reste, il y a pas mal d'anciens élèves qui ont intégré le TAG. Et puis, Gimel, j'ai l'impression que ça fait rêver les jeunes quand ils voient un spectacle comme ça, et qu'ils aiment chanter et danser, ça les fait un peu rêver de pouvoir intégrer la troupe. Donc, souvent, c'est eux qui nous demandent s'ils peuvent intégrer la troupe. En tant que directeur artistique, est-ce que c'est le même que votre papa, Manon? Vous avez retrouvé un peu des liens? Alors, complètement. On ne peut pas le changer. Et puis, il va. Par contre, c'est des fois difficile d'être sa fille sur scène, mais toujours avec plaisir. Non, on ne va pas le changer. Et c'est justement aussi agréable parce qu'on va retrouver la même personne. Et puis, je crois que les gens, ils apprécient aussi qu'ils soient la même chose en tant que directeur artistique, en tant que personne après, dans la rue. Voilà, c'est exactement pareil. Et puis, c'est aussi ça qui est très chouette. Et il participe aussi au spectacle lui-même. Donc, on est vraiment c'est un peu une grande famille quand même, cette troupe artistique. Et on aime bien la grandir avec de nouveaux membres. Et vous proposez donc cette année une rétrospective de 20 ans. Quels sont peut-être vos plus beaux souvenirs ou même les mauvais? Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces 20 ans? Il y a des spectacles qu'on apprécie, qu'on trouve mieux réussis que d'autres. Puis chaque spectacle correspond à un âge, à une émotion. Comme disait un membre hier, quand on discutait, il disait que quand on chante une chanson, ce qui est marrant, c'est qu'on est projeté dans l'émotion qu'on vivait à cette époque-là. Et donc c'est vrai que chaque spectacle correspond à une émotion, à une période. Et après, il y en a qui ont mieux marché, qui étaient mieux réussis que d'autres. On ne sait pas trop pourquoi. On a justement des images. Le Petit Prince. Donc là, par exemple, Manon, pour vous, qu'est-ce que ce spectacle il évoque? Je
C'était un gros défi. C'est le seul spectacle qu'on a fait avec des élèves aussi jeunes. Deux classes, donc 40 élèves. Et beaucoup d'émotions de voir ces enfants se réaliser dans ce spectacle, de pouvoir être avec eux, avec les adultes, les enfants. Mais vraiment, c'était surtout un gros défi, je trouve, et de pouvoir mettre cette magnifique histoire de Saint-Exupéry en scène avec tous ces gens. Jean-François, Le Petit Prince, pour vous, qu'est-ce que ça évoque quand vous retrouvez, quand vous revoyez ces images ? Ben justement, c'était un sacré défi de faire. Il y avait donc deux classes scolaires avec la troupe artistique. Et ce n'était pas toujours évident. J'avais les deux casquettes et ça, ce n'était pas évident d'être à la fois dans la mise en scène, puis de l'autre côté, d'être l'enseignant et de gérer les élèves. Mais c'est une bonne expérience parce qu'on a fait faire du spectacle à des gens qui n'auraient jamais eu l'idée d'en faire. Comment vous les choisissez, ces thèmes, finalement ? Comme ça, voilà. Au coup de cœur. Au coup de cœur, voilà. J'attends qu'il y ait une idée qui germe. Souvent, il y a beaucoup d'idées. On parle de plein de trucs, on se lance un peu dans plein de trucs et tout d'un coup, on se dit non, ça va pas, on va pas faire. Puis tout d'un coup, il y a une idée qui germe et c'est parti. Et là, on arrive à vraiment faire l'ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses aussi qu'on a mis de côté. Et on s'est dit non, ça va pas aller. Un autre spectacle à plus, là, qu'est-ce que c'était, Jean-François ? Alors là, c'était une adaptation du roman de Marc Lévy, La prochaine fois. Et voilà. On a adapté ce roman à la scène. Parce que je réfléchis toujours au fait qu'il faut qu'il puisse y avoir du monde sur scène. Donc il faut qu'il y ait une histoire, qu'il y ait des groupes, plusieurs groupes. Et on le voit à l'image, vous jouez d'ailleurs avec les différents arts, que ce soit danse, chant, même du cinéma. Ça, c'est une volonté au final, que tout soit relié sur scène, mis sur scène, mis en lumière. Oui, ben c'est pour varier, pour surprendre ce qu'on essaie toujours, c'est de surprendre le spectateur d'un spectacle à l'autre, de ne pas faire la même chose. Et d'emmener le spectateur dans un monde auquel il ne s'attend pas. Donc, oui. Et c'est vrai qu'on utilise les talents des gens qu'on a, parce que les gens, ils viennent pour chanter, mais on a des excellents danseurs, on a des chorégraphes. Là, on avait une danseuse qui fait de la danse classique très bien. Donc du coup, on s'est dit, ah ben parfait, des fois, on crée aussi autour de ce que les gens savent faire en plus de juste la troupe artistique. Donc c'est vrai que s'ils font un instrument, on va peut-être l'intégrer. Et ça, c'est aussi chouette de pouvoir valoriser un petit peu chacun. 20 années de rétrospective, 6 comédies musicales. Est-ce qu'il y aura quand même des nouveautés pour ce spectacle ? Alors, pour ce spectacle, on va présenter la nouvelle création qui sera pour novembre 2020, qui s'appellera Destination Finale. Et là, on promet aux spectateurs un voyage unique sur une autre planète, je n'en dis pas plus. Donc là, au 20 ans, on va présenter en avant-première 2 chansons de ce spectacle. De quoi nous donner envie, Jean-François Manon, merci d'avoir été avec nous et évidemment à toute la troupe du TAG, un spectacle à voir les 1er et 2 novembre à la grande salle de Gimel. À très bientôt. Merci, au revoir. Volontaire, un film documentaire de Chloé Cécel. En 94 minutes, la réalisatrice nyonnaise immerge le spectateur dans l'action citoyenne de 4 femmes, Katia, Lisa, Hélène et Mireille, toutes impliquées à leur façon dans la solidarité avec les réfugiés en Grèce, en Suisse, ou à Nyon. Après avoir été proposé à la Média Librairie dans le cadre de Vision du Réel, une projection aura lieu à Nyon le 12 octobre dès 17h30, puis suivie d'une table ronde dès 19h45. On regarde un teaser et on en parle juste après avec nos invités. Ici, c'est la chambre où viennent les femmes et les enfants. Au maximum, il faut essayer d'arriver à tous les mettre là-dedans. Et ici, c'est la chambre de... On était 4 potes autour d'un café. C'est quand est sortie la photo du petit Aylan qui a un peu choqué la planète entière. Bah voilà, on s'est dit il y en a un peu marre de rien faire. Un momento storico dove c'è un grande bisogno e dall'altra parte dei muri sempre più alti. Parfois je rêve de prendre 300 chiens et survoler la Méditerranée. Et je jette les 300 chiens à se noyer dans la Méditerranée et je filme. Ça va éclater l'Europe si on tourne 300 chiens. Et pourtant on a des navires qui se noient tous les jours. On s'affiche. Comment est-ce que c'est possible ? Pour
moi, il y a une réalité, c'est que ces gens, ils sont là. Je pense que c'est un devoir. L'humanité morale, tout ce qu'on veut, de devoir les accueillir. Le vivre ensemble, il faut l'apprendre et le prendre à bras le corps aussi. Moi, j'avais ça avant. C'était pas facile. Je faisais l'apprentissage. Du coup, j'ai dit, il faut arrêter. I volontari permettono l'incontro tra una società e un'altra. La question c'est comment vivre sur un territoire pas forcément très grand, tous ensemble, sans que les tensions sociales soient telles que ça explose. Be a group of people somewhere. I don't see. Oh. Yes, they are there. Avec nous en plateau, nos deux invités, évidemment Chloé Cécel, réalisatrice du film Volontaire. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Hélène Menu, qu'on voit d'ailleurs dans le film pour l'association Lieu-dit. Bienvenue à vous également. Bonjour. Donc, un film volontaire à voir ce samedi 12 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Chloé Cécel, un film sur la migration. Pourquoi ? Bah, parce que je pense que c'est un thème dont il faut parler beaucoup, toujours. On en a déjà pas mal parlé, mais il faut continuer à en parler. C'est toujours d'actualité. Et puis, je trouvais intéressant de choisir l'angle des volontaires, parce que je pense qu'on ne les entend pas tant que ça. Et ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Elles accompagnent chaque jour les personnes migrantes dans les difficultés qu'elles rencontrent. Et donc, elles sont parfaitement au courant de la situation. Elles connaissent ces difficultés-là. Et donc, elles sont parfaitement légitimes pour en parler. Hélène Menu, on vous connaît sur le terrain, notamment grâce à l'association Le Lieu-dit. Qu'est-ce qui vous a convaincu, qu'est-ce qui a fait finalement que vous acceptiez d'avoir Chloé sur votre dos, j'ai envie de dire, caméra à l'épaule? Pour moi, ce qui était important dans le fait de participer à ce documentaire, c'était de montrer aux gens que s'engager, c'est pas si compliqué, qu'on peut le faire de différentes manières, c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans le documentaire de Chloé, et puis que c'est plein de petites actions, et si on se met tous ensemble à faire ces petites actions, alors ça se passe facilement plus facilement. Ouais. Maintenant que vous avez découvert le résultat, est-ce que vous avez l'impression que c'est un film qui représente votre réalité, la réalité que vous vivez, la réalité de ces migrants ? Alors, la réalité de ces migrants, je ne sais pas. Je trouve que le documentaire, oui, représente bien le travail qu'on essaie de mener. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment... où j'ai été très touchée dans le documentaire de Chloé, c'est de voir, ces quatre femmes sous des angles et des approches très différentes, où, en fait, je trouve qu'on se retrouve dans nos difficultés et nos problématiques. Et ça, c'était très intéressant, j'ai trouvé. Pourquoi avoir choisi ces quatre femmes-là en particulier? Qu'est-ce que vous vouliez montrer au travers de ces personnages, de ces personnes? Alors, bon, il y a eu beaucoup de volontaires, hein, le choix était large, mais je dois dire que, alors comme dit Hélène, c'était intéressant de montrer des personnes qui agissent de manière différente. Et puis après, au-delà de ça, c'est des personnes qui m'ont touchée par leur engagement. Et voilà, enfin, c'est surtout pour ça. Deux membres d'association, une pasteur, une députée socialiste, finalement, vous vous retrouvez tous, j'ai l'impression, avec le même message, un élan de solidarité. Hélène, pour vous, cette solidarité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Je pense que Chloé le disait avant, il faut continuer à en parler, et c'est vrai. Et aujourd'hui, depuis 2017, il y a moins d'arrivées en Suisse, en Europe, mais non pas parce que le monde va mieux et les conflits se sont arrêtés, mais parce que les frontières aux portes de l'Europe sont bloquées. Mais ce n'est pas pour autant que la situation est réglée, et ce n'est pas pour autant que le message de solidarité doit arrêter d'être porté. Au contraire, je pense que c'est maintenant qu'il faut le renforcer. Chloé Cécel, vous avez choisi de nous montrer un extrait qui résume finalement assez bien le message du film. On le regarde et on revient juste après. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Vraiment. Voisine qui est présidente à Rao. Si on n'ose pas affronter cette question, si on fait l'autruche, alors oui, j'ai une vision pessimiste de l'avenir.
Moins on prend les choses en main, moins on les regarde, moins on veut les affronter, pire c'est. On le sait très bien dans nos relations aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Pour vivre ensemble, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux, voir où, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre porte. Et c'est là où je loue les bénévoles d'avoir chacun fait un peu ce qu'il pouvait, là où il pouvait, quand il pouvait, sans qu'il y ait une contrainte morale. C'est pas là ça la question. La question c'est comment vivre sur un territoire pas forcément très grand, tous ensemble, sans que les tensions sociales soient telles que ça explose. Chloé, vous avez choisi d'aider à votre manière en créant justement un film. Pourquoi justement créer un film pour aider ? Bah, c'est-à-dire qu'au tout début, évidemment, je me suis intéressée à la situation migratoire. Je me suis intéressée à l'action des bénévoles parce qu'il se trouve que je connais depuis plusieurs années l'une des protagonistes, Katia, qui est en Grèce. J'étais vous êtes vous-même passée par le statut de bénévole ? Oui. Oui, je suis allée en Grèce 2 fois. Et c'est vrai qu'au tout début, avant même de partir en Grèce, j'étais assez surprise par les récits qu'elle ramenait de ses voyages, des récits qu'on entend peu finalement et qui montrent vraiment l'urgence de la situation. Ces personnes, elles arrivent dans des situations terribles, elles font face à des difficultés dont on n'a même pas idée. Et donc, tout ça m'a amené à me questionner beaucoup aussi sur mon propre engagement à moi. Enfin, j'ai réalisé à quel point c'était important de faire sa part, quelque part, pour aider ces personnes, par simple solidarité, mais aussi pour toute la société. Et comme le dit Mireille Raymond-Dolfus dans l'extrait que vous venez de passer, je pense qu'on est tous concernés. Et donc, moi-même, je me suis posé cette question. Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Eh bien, je peux faire un film et essayer de passer un message qui est celui des bénévoles. Et je pense que voilà, c'est important d'entendre ce message. Et c'est important d'y réfléchir. C'est important de s'informer correctement avant de diffuser des idées sur quelque chose qu'on connaît peu. C'est important d'y réfléchir et de s'informer. Et puis, bah, voilà, c'est une manière de peut-être donner quelques informations auxquelles on n'a pas facilement accès. On pourrait y avoir accès si on faisait l'effort d'aller vers les personnes et de discuter avec elles, ou d'aller vers les bénévoles et de discuter avec eux, puisque de nouveau, ils sont sur le terrain et la situation, ils la connaissent. Vous dites que c'est une histoire qui se raconte toute seule. J'imagine que raconter cette histoire-là ou la laisser se raconter, c'est un travail qui n'est pas facile. Vous leur donnez la parole, vous leur laissez la parole. En même temps, quand vous avez été confrontée à cette réalité, vous avez choisi un dispositif d'enregistrement très simple, un téléphone. Pourquoi ? Alors, il y a 2 raisons. Prendre un dispositif simple, bah, évidemment, ça simplifie le tournage. J'avais dans l'idée de suivre les personnes dans leurs actions. Je voulais avoir une caméra en mouvement parce que bah, la migration est un mouvement et le travail des bénévoles génère aussi un mouvement puisqu'ils font en sorte que leur situation, la situation des personnes migrantes s'améliore, mais aussi ils font le lien avec la population locale et donc tout ceci est un mouvement. Donc ça faisait du sens d'avoir une caméra en mouvement, ce qui fait que c'est plus simple d'avoir une petite caméra ou un téléphone portable. L'autre raison, c'est aussi, aujourd'hui tout le monde filme avec son téléphone portable et je trouve que c'est une écriture intéressante parce que, en tout cas pour cette thématique-là, si vous voulez, le message à travers ça, c'est de dire que n'importe qui aurait pu filmer ces images. Donc n'importe qui aurait pu être sur place. C'est ouvert à tous. Tout le monde peut s'engager et tout le monde pourrait aller sur place pour constater ce qui se passe. Oui. Donc, Hélène, est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand on entend voilà, n'importe qui aurait pu filmer ces images ? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, par exemple, à Nyon, on continue à parler par exemple, des migrants, du lieu-dit, on a beaucoup parlé de l'Eva, mais est-ce que c'est encore des questions qui se posent ou on oublie un peu ? J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier un peu. On continue, par exemple, au lieu-dit à avoir des nouvelles personnes qui veulent s'engager. Mais c'est vrai qu'on en parle moins. Le fait qu'il y ait moins de personnes qui arrivent génère le fait qu'on en parle moins. Et,
Et pourtant, il faut continuer. Ouais. Donc j'imagine que c'était aussi finalement une raison d'avoir accepté ce documentaire, c'est qu'on apporte de la visibilité à des associations qui sont là et dont on a besoin. Mais en termes de, voilà, quand on est bénévole, qu'on s'implique aussi, qu'on est parfois à l'image, on a parfois, on prend aussi un risque. Est-ce que vous avez eu peur ? Oui, j'ai mis assez longtemps à accepter. Et d'ailleurs, à la fin, Chloé m'a fait accepter en me disant « Ah, mais tu sais, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour la cause, tu dois le faire pour la cause. » Et du coup, bon, ben, voilà, il n'y avait plus de discussion. C'est jamais facile de se voir à l'image. Le message donc à voir et surtout le documentaire volontaire à voir ce samedi 12 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Chloé Cécel, Hélène Menu, merci d'avoir été avec nous, à très bientôt. Merci. À voir donc le samedi 12 octobre, on le répète, à la salle de la Colombière à Nyon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures.